Alors moi, mon première colle, c'était une colle d'anglais. Donc à l'écrit, c'est bien passé ma PAL, j'ai une bonne note, mais l'oral, je savais que ça allait pas passer par contre. Et donc je me retrouve 20 minutes de préparation, déjà 20 minutes, je sais pas si vous l'avez vu, C'est hyper court. mais ça passe comme ça. C'est demain à la J'arrive, colle d'anglais. j'ai une problématique, mais en bois. J'ai un plan qui est... Je l'ai fait yes, no, tu vois, en plan, genre, parce que vraiment, je savais pas quoi faire. Ouais. Et j'y vais, j'ai rien écrit quasiment sur la feuille, donc là, va partir en impro sur 10 minutes. Genre vraiment, mon niveau, c'est... je me croyais en sixième, quand je parlais, j'arrivais plus à faire de phrases et tout. Bon, heureusement, c'était un intégré, donc ça va, mais bon, il m'a dit c'était pas mal. Bon, au final, j'ai eu 10. Et deuxième colle, du coup, dans la foulée, c'était CSH, donc c'est Culture G. Et donc, ça mêle philo, lettres, et du coup, c'était le planisphère. Bah, je clique, Vas-y. je vois le planisphère, et là, bam, 30 minutes pour parler du planisphère. Mais en vrai, c'était... Enfin, moi, personnellement, ça m'a plu, le planisphère. Oui, Non, mais c'est... Bah, tu je vas trouvais pas ça parler d'entrée, intéressant. hein, franchement. Et c'était assez sympa comme expérience. Du coup, en 30 minutes, tu as le temps un peu de préparer, mais en même temps, il y a encore un peu de Ouais. freestyle.